la 10e édition du La Sunday. C'est un mélange de toute la culture hip-hop et de tout ce qui peut se faire dehors. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez du graffiti, vous avez du double dutch qui se fait, vous avez des DJ qui mettent de la musique hip-hop. Et voilà quoi, c'est un peu l'ambiance des block parties dans le Bronx à la naissance du hip-hop. C'est un peu les projets qu'on veut mener avec toutes les associations avec lesquelles on a bossé sur ce projet depuis 11 ans maintenant. Ça envoie du lourd, en plus il y a plein d'animations, c'est quelque chose qui amène de la ferveur après le quai 54. La Sunday, c'est là où il faut être en tout cas. Sur Porte de Saint-Ouen, ici. C'est très très lourd, vraiment la météo elle est là, il fait beau, il y a des grands gros players, il y a du cross, il y a de l'ambiance, il y a de la danse, il y a de la bonne musique, il y a de la bouffe, ouais c'est bon. Ça fait partie un peu de toute ma jeunesse tout ça, le basket, la musique, il y a quoi encore, le graff, la danse, tout ça, j'ai grandi avec tout ça, ça fait plus de 30 ans que je suis dedans et voilà quoi, c'est un kiff, et là tout ça s'est réuni là, dans un seul truc. Et là, c'est important d'être là, quoi. C'est important. C'est toute ma jeunesse, tout ça. Donc, ça a un impact sur la vie du quartier. Comme on le voit, il y a un tournoi de basket du 4 contre 4. Et il y a aussi un concours de graff. Donc, c'est de la culture urbaine. Donc, cet événement aussi a un rôle de vivre ensemble, de rassembler différentes générations au sein de ce quartier, et voire même en dehors du quartier d'Arago. Parce qu'on voit qu'on en est à la 10e édition, il y a plus en plus de personnes. Donc c'est un événement que la ville porte avec le collectif La Sunday.